Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le soldat transperça ton côté sur l'arbre de la croix où tu étais suspendu, pour moi tu fis jaillir la source de vie. Alors que j'étais réduite à la mort par la malice du serpent qui m'avait fait goûter au fruit défendu, c'est pourquoi je te glorifie, ô Christ, j'implore ta compassion. Donne-moi de parcourir le stade du carême avec contrition, afin de pouvoir me prosterner devant tes souffrances et ta sainte résurrection. Tu as chassé du paradis le premier homme ayant cueilli sous l'arbre le fruit des douleurs. Au paradis, tu le ramènes, Sauveur, lorsque toi-même tu fus cloué en ton humanité sur l'arbre rédempteur. C'est pourquoi je m'écris, me purifiant par le jeûne, les larmes et le repentir. Libère-moi de toute douleur, Jésus, bonté suprême et sauveur de nos âmes. Seigneur, nous célébrons ta vivifiante croix. C'est celle qui a fait fleurir en ce monde la vie. La mort, elle l'a fait périr et maintenant encore nous accrédite auprès de toi. Fortifie-nous dans notre jeûne, en ces jours saints. Donne-nous la force de combattre les passions. Accorde-nous le triomphe et la paix dans ton amour pour les hommes. Proclamons ton quatre, Seigneur, jusqu'aux cieux va ton amour et ta vérité s'élève jusqu'aux nues. Seigneur, jusqu'aux cieux va ton amour et ta vérité s'élève jusqu'aux nues. Ta justice égale les montagnes de Dieu, tes jugements l'abîme profond. Seigneur, jusqu'aux cieux va ton amour et ta vérité s'élève jusqu'aux nues. Seigneur, jusqu'aux cieux va ton amour et ta vérité s'élève jusqu'aux nues. Lecture de la Genèse. Voici le livre de la Genèse des hommes. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'homme au jour de leur création. Adam avait 230 ans lorsqu'il engendra un fils à son image et ressemblance et lui donna le nom de Seth. Le temps que vécut Adam après la naissance de Seth fut de 700 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie d'Adam fut de 930 ans, puis il mourut. Lorsque Seth eut 205 ans, il engendra Enos. Après la naissance d'Enos, Seth vécut 707 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Lorsqu'Enos eut 190 ans, il engendra Cainan. Après la naissance de Cainan, Enos vécut 715 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie d'Enos fut de 905 ans, puis il mourut. Lorsque Cainan eut 170 ans, il engendra Malaléel. Après la naissance de Malaléel, Canaan vécut 740 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Cainan fut de 910 ans, puis il mourut. Lorsque Malaléel eut 165 ans, il engendra Yared. Après la naissance de Yared, Malaléel vécut 730 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Malaléel fut de 895 ans, puis il mourut. Lorsque Yared eut 162 ans, il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Yared vécut 800 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie de Yared fut de 962 ans, puis il mourut. Lorsqu'Enoch eut 165 ans, il engendra Mathusalem. Enoch fut agréable à Dieu. Après la naissance de Mathusalem, il vécut 200 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch fut agréable à Dieu. Et on ne le trouva plus, car Dieu l'avait enlevé. Prokémenon, ton six, espère en Dieu, observe sa voix, il t'exaltera jusqu'à te donner la terre en héritage. Espère en Dieu, observe sa voix, il t'exaltera jusqu'à te donner la terre en héritage. Garde-toi de jalouser les méchants, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Espère en Dieu, observe sa loi, il t'exaltera jusqu'à te donner la terre en héritage. Espère en Dieu, observe sa voix, il t'exaltera jusqu'à te donner la terre en héritage. Lecture des Proverbes.
Mon fils, fais ce que je te prescris, et tu seras sauvé. Lorsque tu t'es livré aux mains de ton prochain, va, cours importuner ton prochain, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières, afin de te dégager comme du filet la gazelle, comme du piège l'oiselet. Va voir la fourmi paresseuse, observe ses mœurs et deviens sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, elle prépare en été sa provision, elle amasse sa nourriture au temps de la moisson. Ou bien va trouver l'abeille, vois comme elle est ouvrière, comme elle fait bien son ouvrage, dont rois et particuliers utilisent les peines pour leur santé. Elle est chère à tous et renommée, et bien que sa force soit infime, elle est estimée pour sa sagesse. Jusque à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu s'allonger, un peu somnoler, un peu croiser les bras sur la poitrine, et tel un rôdeur te vient la pauvreté, au pas de course arrive l'indigence. Mais si tu es diligent, ta moisson sera comme une source, et l'indigence te lâchera comme un mauvais coureur. L'insensé, le vaurien, suit les chemins d'iniquité. Il va, clignant de l'œil, parlant du pied, faisant des signes avec les doigts. Il n'y a que perversité dans son cœur. En tout temps, il fomente des troubles dans la cité. Aussi, soudainement, viendra sa ruine, sa chute sera subite et sans remède. Il y a six choses que hait le Seigneur, voire sept qui lui sont en abomination. Un regard hautain, une langue menteuse, des mains qui versent le sang du juste, un cœur qui médite des projets pervers, des pieds qui se hâtent pour faire le mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui suscite des litiges entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père, ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère. Pour n'avoir point jeûné selon l'ordre du Créateur sous l'arbre de la connaissance, nos premiers parents, pour fruit de leur désobéissance, cueillirent la mort. C'est ainsi qu'ils perdirent l'arbre de vie et les délices du paradis. Mais nous, fidèles, abstenons-nous des nourritures périssables et de nos funestes passions, afin de cueillir la vie sous l'arbre divin de la croix et de rejoindre avec le bon larron notre ancienne patrie par la miséricorde du Christ notre Dieu. Pour n'avoir point jeûné selon l'ordre du Créateur sous l'arbre de la connaissance, nos premiers parents, pour fruit de leur désobéissance, cueillirent la mort. C'est ainsi qu'ils perdirent l'arbre de vie et les délices du paradis. Mais nous, fidèles, abstenons-nous des nourritures périssables et de nos funestes passions, afin de cueillir la vie sous l'arbre divin de la croix et de rejoindre avec le bon larron notre ancienne patrie, par la miséricorde du Christ notre Dieu. Illustre martyr qui avait méprisé les biens de cette vie pour affronter avec noblesse les tourments, vous n'êtes point frustré dans votre espérance du bonheur, mais en héritage vous avez reçu le royaume des cieux, et puisque vous avez le pouvoir de plaider auprès d'un Dieu si bon, demandez-lui pour le monde la paix et pour nos âmes la grande miséricorde. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, amin. Lorsque la Vierge pure vit son agneau se hâter vers la mort, elle le suivit avec empressement et lui dit « Où vas-tu, mon enfant bien-aimé? Ô Christ, pour qui t'élances-tu dans cette course sans tarder ?» Jésus, aimable Seigneur, plein de miséricorde et sans péché, réponds à ta servante « Ô mon Fils bien-aimé, par ton silence ne me dédaigne pas, moi qui t'ai enfanté, Dieu de tendresse et de compassion, qui donne au monde la grande miséricorde. » Par les prières de nos Pères saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.